Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux vacherins fribourgeois AOP avec des invités. Nous sommes toujours chez Pierrot Ayer, au Pérole. Pierrot Ayer qu'on ne présente plus, grand cuisinier, spécialiste aussi du vacherin fribourgeois, AOP, ambassadeur du vacherin fribourgeois, avec deux invités. Michel Pont, tout d'abord, bonjour Michel. Bonjour. Michel, ancien entraîneur assistant de notre équipe nationale de foot, mais grand spécialiste de la fondue aussi, j'imagine. Ouais. Hein, tu aimes la fondue, Michel? J'adore. Oui. Surtout celle-là. Oui, c'est un travail d'équipe, hein, ça permet de souder les grandes équipes. Et méthode. Et puis avec nous également François Rémy. Bonjour François. Bonjour. François est maître fromager, très actif dans l'interprofession du vacherin fribourgeois AOP. Magnifique produit que nous allons travailler aujourd'hui de façon très conviviale, hein, puisqu'on va faire une fondue pure vacherin fribourgeois AOP avec... ou à base d'eau, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Uniquement. Je crois que je vais laisser François, Pierrot, Michel être très actifs dans ce domaine-là. Surtout Pierrot et François. Surtout Pierrot et François. Non, je pense que Michel. Michel, t'as un bon commis, je dois dire. Voilà, donc on va commencer cette fondue. On va la faire à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais vous présenter le vacherin que l'on trouve dans les fromageries, dans les crèmeries, un peu partout. On va faire, pour les trois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pour 450 grammes, c'est pour deux personnes. Moi, je conseille toujours de mettre un petit peu plus qu'une moitié-moitié, parce que c'est vrai qu'elle est plus onctueuse, elle est plus épaisse, et on mange moins de pain, mais plus de vacherin, plus de fondue. Hein. Donc, on va peser ça. Oui. Alors, Michel, je peux te laisser. On va faire comme à l'ancienne, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait des petites lamelles, comme ça. Pas régulier alors. Non, pas régulier. Voilà. Tu peux y aller, Michel, tu peux y aller. Voilà. Je te laisse. Merci. Volontiers. Et puis, comme on l'a dit si bien avant, donc c'est que c'est uniquement fait avec de l'eau. Et si on prend avec 450 grammes de fondu vacherin, on met un déci et demi d'eau. Un déci et demi d'eau pour tout ça. Pour tout ça. Donc elle est plus onctueuse, un peu plus épaisse que. Ça, je me réjouis de voir parce que j'ai jamais pensé qu'un jour on pourrait faire une fondue avec de l'eau. Tu mets le fromage avant l'eau? Voilà, je mets tout en même temps. Il n'y a pas de problème. Alors, on peut mettre l'eau avant, il y en a qui chauffent l'eau avant, qui... Non, faut pas. Au niveau de ces fameuses recettes de fondue, il y a vraiment... Voilà, tourne à gauche, en 8 je ne sais pas quoi, non. On s'en fout tout ça. Oui, complètement. Il faut laisser, dire. Quoi. Ouais. Voilà. Même si tu fais une fois... On peut toujours dire, celui qui la loupe, c'est parce qu'il n'a pas tourné en 8. Ouais, mais... Donc, de l'eau, super. On peut commencer je avec réjouis. Un petit peu plus de feu. Donc, je mets le déci et demi que j'ai mesuré avant. Voilà. La chaleur de la plaque. La chaleur de la plaque. On peut commencer très chaud. Avec un petit peu plus de feu. Et sitôt qu'elle commence à fondre, on la diminue. Parce voilà. Qu'elle a longue à prendre, tout ça. C'est vrai qu'on dit qu'il faut être un peu paresseux pour faire la fondue et fabriquer le vacherin fribourgeois. C'est vrai, ça? Oui, il ne faut jamais se stresser. C'est très mauvais. Enfin, très mauvais. Il faut prendre son temps, voilà. Ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit fondre gentiment. Et normalement, on prend un verre quand on, voilà, quand on fait comme ça. Voilà. T'as raison. T'es d'accord? Alors, ça, c'est sûr. On prend un verre, mais... Oui, pourquoi moi, pas. Moi, j'allais chercher un verre blanc. T'es d'accord? Mais oui. Alors, on va y aller, quoi. Merci. Santé, non? Santé, Pierrot. Santé, Pierrot. Santé, Michel. Ça fait du bien, hein? Alors, Michel, si tu veux, brasse un petit peu. Ouais, volontiers. Bah, c'est déjà. C'est trop chaud. Ça m'a un petit peu. Surtout pas que ça baisse, ou bien, non? Non. Tu peux baisser. Mais ouais, tu dis... ça ne doit pas être au-dessus de 35-40 degrés. Ça ne doit pas cuire, tu vois, quand même. Surtout pas. Donc c'est juste ça, le final aussi à la fin. Et ça fond très vite à la fin. Et puis après, pour la manger, il suffit d'une petite bougie dessous. Hein, ouais. Ça suffit, la bougie. Voilà, ça suffit. Ouais. Et puis si elle est trop épaisse, on peut toujours ajouter un peu d'eau chaude. Ah ouais. Voilà. En cours de route, là. En cours de route, sans problème. Plus trop on peut rajouter un peu de fromage. On peut rajouter, ça, bien sûr. Un peu trop d'eau. On va rajouter un peu de fromage, mais... Un tout petit peu, on peut rajouter. Tiens. Et voilà. Tu peux en faire encore un petit peu. Comme un petit bout. Oui. Alors là, c'est l'extase. Hein. Regardez, monsieur. Ah, elle est belle, hein. Regarde ça. Bon, Michel. Bon, voilà, Michel. À toi l'honneur. Oh, putain. Voilà. C'est vrai que là, tu as...
Tu as du vacherin sur vous, pardon. Ah, t'as du vacherin sur vous. Allez. Regardez, moi, monsieur dame. T'as bon le temps après la patate. Lisse. C'est pour moi. Aïe, aïe. Ah, c'est que du bonheur, ça. Quoi, c'est celle-là. Incroyable. Bon, ben alors, ça se passe bien à voir. Tu vas me faire quelque chose. Allez, je vais essayer de vous faire. Aïe, 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 aïe. Avec une patate. On peut presque la manger à la fourchette. Pour l'instant, on en fait santé. Voilà. C'était moins pénible, Michel, bravo. Travail. Je ne l'ai pas raté, je suis content. Tout en or. Super. Merci à toi, François. Merci, Michel. Pierrot. Merci, Pierrot. Il y a toute la technique qui salive. Regarde, ils sont là. Ils attendent qu'une chose, c'est d'un petit bout de patate. Non, mais c'est vrai qu'on a pu montrer en ajoutant un peu de vacherin. Extraordinaire. Voilà, toutes les... Je crois que c'est la chose à goûter absolument. Ouais. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore la fondue. Puis la fondue, c'est la bonne humeur. En plus, bon, ça va. La bonne humeur était de mise aujourd'hui. Bon, ben, messieurs, merci. Merci, Michel. Merci, François. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot. On va se retrouver pour d'autres émissions et d'autres recettes. Profitons de ce magnifique produit, cette magnifique fondue, ce magnifique produit qu'est le vacherin fribourgeois AOP. À bientôt pour de nouvelles émissions. Merci Thierry. Merci.